Après, ça varie selon les états. D'accord. Mon Dieu, 7,25 $. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Sachant qu'aux États-Unis, par exemple, un prof va gagner 30 000 à l'année. Vous allez dire, c'est beaucoup. Non, parce qu'ils ont beaucoup plus de frais que nous. Notamment médecins ou quoi que ce soit. Rien à rembourser. Vous avez entendu les voix cette fois. Qui c'est l'enfer. Je ne sais pas. Nous ne pouvons nous fier. Bah non, Binky, comme tu peux voir. Oh, je suis à l'acte 5. Je suis un peu lent. C'était 30 ou 36K, je crois, quelle preuve gagnait. Merci Ticounette pour le deuxième abonnement. Bonjour Akabags, bonjour Brutal Combo. Et enfin, ils étaient pas pauvres, mais ils sont. Enfin, c'est même pas mieux qu'en France, quoi. Loin de là. Ah, ça va être plus simple pour suivre le serpent d'un coup. Ah, ça va être moins simple pour suivre le serpent d'un coup. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, mes camarades, ils se traînent un peu la nouille. C'est lui. L'arbre des murmures. Tout le monde joue là, ça y est. Là, tiens, ça y est, il était temps. Qu'êtes-vous venu faire ici? Nous cherchons un homme du nom d'Elias. Elias! Élusif, celui-ci. Il a une dette envers l'arbre. L'arbre offre des idées, une vision, en échange d'une terre. Il est le premier à avoir échappé au paiement. Pouvez-vous nous dire ce que vous lui avez dit? Si nous arrivons à l'arrêter, l'arbre pourra collecter sa dette. Il cherchait un moyen d'invoquer Lilith, mais il a fait un autre arrêt sur son chemin. À un endroit caché de la vue de l'arbre. Cela expliquerait sa résilience. Nous l'avons tué tellement de fois que j'en ai perdu le compte. C'est donc pour cela que Thaïssa a échoué si lamentablement à ramener sa tête. L'endroit où Elias s'est arrêté, comment pouvons-nous y aller? Cherchez un cercueil dans les épaves. Il vous emmènera où vous devez aller. Découvrez les secrets qui s'y cachent. Parce que l'arbre ne les connaît pas. Ok, sympa ce petit arbre. S'il faut fouiller des épaves, nous en trouverons sur la côte est. Nous partons immédiatement. Ok. Oh, attendez. Il y a un TP, mais... Ah, mais on est vraiment dans le vrai monde, là, en fait. Ok. On est dans le vrai, vrai monde. D'accord. T'as pu remettre ta régie, Lucas? T'as pu... Ah, toujours... Ah oui, pas de soucis. Ça marche. Petite pause bio pour moi le chat. Je sais pas ce que tu veux mettre, Socure. Actuellement, il y a en régie, voilà, il y a pas Lucas, donc il y a que Buffalo. Ou on laisse la cam, voilà, je sais pas. À toi de jouer, Socure, c'est toi qui gères. Il y a Nat aussi qui joue. Bah, après, il y a pas de duo Nat... C'est vrai que chez Nat, il y a pas de... Voilà, au pire, tu peux mettre Nat... Voilà. Tiens, fais-moi un petit dédicace à Nat, au pire, et mets son stream en... Enfin, mets son jeu. A tout de suite. Ah, t'étais sur le... Bah, ça va être la fin de l'acte 1, je pense. Et re tout le monde. Bon appétit, prof. Coucou, Elé. Bon amusement, tout est à l'auteur. Et merci, Candessir, pour le troisième abonnement. Ok, on est reparti. Un petit perso qui fait dodo. Ok, j'ai pris le TP, je pense que ça valait le coup. Ah, ça a l'air relou d'aller là-bas, attendez. On va plutôt y aller par là. Non. Là, ça a l'air vachement relou d'aller par là, non? Parce que là, on peut pas. Tu es mute? Bah non. Attends. Non.
Test, test, test. Non, je suis pas mute. Nope. C'est toi le problème. Nope. Je sais pas moi. Et on peut pas y aller par là. Ah si, bah si, bon, ça. Allez. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. T'es quel niveau? Donc t'as fait un nouveau personnage ou t'as... Non, t'as pris ton voleur là, Lou, c'est ça? Ok. T'es quel niveau là? La puissance est réelle. Enfin, monte, hein. Je suis curieux de voir ce qui se passe au niveau du scanning si je viens dans un donjon avec toi. Alors. Non, parce que ça scale, en théorie. J'en ai tellement marre de Pex. Bah, je comprends pas. Non, pas du tout. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Enfin, je ne sais. Alors, en gros, c'est pas, ça marche. C'est un scanning particulier. Ok. Toi, tu vas le voir le monstre au niveau 9, ok? Moi, je vais voir le monstre au niveau 45. Et en gros, il y a un calcul qui est fait en temps réel pour que mes dégâts, parce que mes dégâts restent les dégâts de niveau, enfin, c'est 47, et toi, t'es les dégâts de niveau 9. Et ils arrivent à calculer pour que ça s'adapte. Ouais, c'est stylé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Eh hey. Oh. Gigot d'agneau. Ouais. Je pense qu'on va me prendre un petit holly, moi, je... Ça devient un peu dur. Pas beaucoup dormi. Alors, tout est possible. C'est avec le bâton, tout est possible, mais au moins encore 4h48. Peut-être moins, peut-être plus, je sais pas du tout. Ça, on verra. Peut-être moins. Bah non, pas putain, faut que j'arrête d'ailleurs. Peut-être moins, bah non, on va pas rentrer déjà. Non. Mais donc, peut-être plus, peut-être pas, ça, je sais pas. Sachant que, mais en vrai aujourd'hui on fera plus que ça quoi qu'il arrive, c'est que il y a plusieurs solutions. Admettons, admettons le sabaton classe termine, ok. Tu m'écoutes parce que c'est à toi que je parle. Elle m'écoute plus. Elle m'écoute plus. Elle ne m'écoute plus. Je parlais à Nat mais c'est pas. Non, non, c'était à toi. Au moins, donc 4h40, ok. C'est ça. Mais par contre, admettons qu'on aille jusqu'à 20h, même s'il y a des gens toi, qui lâchent un subboot, il n'y aura plus de subbaton, ça reviendra normal. Quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça, oui. Tout à fait, madame. Tout à fait. Oh, normal, bah, je me réveillerai le matin quand même, mais clairement pas à 7h. Hein. Non, non, ça sera, je sais pas, 10h dans un premier temps, 10h-21h, je pense. À ce moment-là. Peu comme ça, on fera 10-12h, quoi, mais bon, bah, après, ça dépend, parce que si on. Ça dépend aussi de vous, si vous voulez faire un truc, bouger et tout. Fin... Ah oui, mais ça, voilà, je passerai plus de temps à la piscine. Je passerai plus de temps à bronzer, toi, par exemple, à ce moment-là. Pina Colada. La prophétie de Ratma, celle-ci l'a empoisonnée. Elle l'obsède. Il fait chaud là-dehors. Leur sang s'échappe même aux plus sages. Mais Elias était convaincu de pouvoir résoudre. Oui, mais comme hier, c'est pour ça dans le sens il fait plus beau qu'hier. Je lui ai dit de patienter. Il m'a traité d'imbécile. M'a dit que nous devions faire tout ce. Essayez. Oui. C'est une plancha pour les filles. Mais cette fois, ce sera différent. Trouvons ça cuit. Ah là, je crois que tu vas la rendre heureuse, là. Mais t'es en live, là, Nat? Tes viewers, ils vont te détester, non? Je veux dire, là... Là, moi, je pense que tes viewers, ils vont tous unsub, unfollow, là. Oui, il y a le holly. Le shaker holly. Il marche bien, hein. Ça marche bien, donc ça retient les glaçons et tout. Alors, il y a CB chez vous. Il fait quelle température ou on est combien chez nous? C'était quoi la question?
Ah mais t'as pas pris de cam, Pierre? J'ai pas fait gaffe. T'as pas de cam, je pensais. Le quoi, excuse-moi. Ah oui, bah oui, mais... La 4K 60. Ils sont horribles, Naté. Ils sont horribles, Naté. Si vous voulez... Tiens, Secure, tu peux me faire une petite dédicace à Nat. Faut que vous souffriez aussi, le chat. Vous vous rendez pas compte de ce qu'elle nous inflige, Nat. C'est terrible. La température ici... Je sais pas combien il fait. Là, sur la météo, il y a marqué 25, mais je pense qu'il fait beaucoup plus chaud que ça. Ah oui, alors moi. Au soleil, je pense qu'il fait vraiment plus que ça. Voilà, si vous voulez voir de l'accent parisien que vous avez envie de claquer, allez voir la thématique. Vous allez voir, elle est adorable. Arrêtez de la charrier. Non, c'est trop adorable. Ah putain, j'en peux plus. On jure, ça crée des choses en moi. Franchement, c'est trop un amour. Ah putain. Ça crée des... Je sais pas pour vous, moi, ça me fait des choses dans le ventre, mais pas les choses douces. Sérieusement, Tonyris, vous seriez prêt à braver les dangers des marais pour une inconnue? Elle va être qui, le blanc? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les marais d'Aguza, cela dit, je n'aurais pas... Je t'en prie, toi. Rejoignez-moi près du Nemo moment. Mais je pense, hein. Je pense qu'elle aura toujours voulu être comme ça, Nat. Hein. Nat, je pense que c'est un peu son rêve d'être une connasse parisienne, hein. Oula. Ah, Azelo s'accomplit un haut fait, épilogue. Ok, donc c'est pour ça qu'il disait 6,5 en fait. Donc celui qui dit 5,5, lui, il s'est pas compté. Mais donc après l'acte 6, on est bien d'accord. Donc il y a bel et bien, par contre, des gens, jusqu'à compter jusqu'à 6, c'est chaud. Pour l'instant, il n'y a pas d'acte 6. Mais... Cinématique CGI ou quelle scène? Alors il y a combien d'actes alors? 6 plus un épilogue. C'est ça. 6-3-4. Non mais comme Harry Potter, 6-3-4. Et c'est pas 6-3-4, c'est 9-3-4. Ça c'était sincère ce qu'elle disait là. C'est la voix de connasse sincère ça. Terrible. Je suis désolé d'avoir fait une dédicace à Nat hein, dans le chat. Terrible. C'est taf kiffé. Vous voyez le cercueil d'ici ? Putain, tu sais que tu me fais penser quand même de ouf à la notaire. C'est impressionnant à quel point tu me fais penser à la notaire. C'est vrai ? Ah, c'est ouf. Le truc, c'est que ta notaire, vraiment... Parler à Nerel. Elle est pas un peu buggée, ma quête, là, le chat ? Ah non, c'est bon. Allez, c'est juste que Nerel, elle est un peu lente. Oh, c'est stylé, ici. On dirait que quelque chose flotte là-bas, à côté de ces navires. Je le vois, moi aussi. Nous allons devoir passer au-dessus des débris pour la tour. Oh, si on a des pirates, c'est stylé, hein. Oh, 48. Point de fer, coup de grâce... C'est vrai qu'il y a, donc là, c'est le build épine, et je sais qu'il y a un truc aussi on peut mettre. C'est ça. Si je veux jouer tank avec les gens, je pourrais jouer ça en épine. Il y a vraiment un truc à faire côté tankiness. Ah, fureur éternelle. Ah, j'avais pas vu. Oh, mais j'avais pas vu, moi. Eh, hey, toi, ta gueule, toi. Bon, on refait les gens, c'est la respect. Première respect, 82 000 PO là. C'est... Ouais. Ah,
Ouais, 15% de fureur en plus avec armes à deux mains, mais c'est trop bien ça. Ça a déchiré qui fait plus de dégâts aux cibles vulnérables, donc oui. Le cri de ralliement. Ah, moi je pense aussi, hein. Mais c'est mérité. Hein. Donc ça, oui. Et est-ce qu'on fait le cri... On va pas prendre le cri provocateur, on va prendre le cri de guerre. C'est ça, j'en sais le problème. Ok, là la rupture, oui. Elle m'est quand même bien utile, la rupture. J'aime me battre. C'est vrai, j'adore me battre. Ça, oui. Voilà. Ici, donc oui. Ça, donc forcément oui. Ça, oui. Il me reste plus de points. Ah merde. Bah, très bien. Ok, ça devrait être vachement mieux, l'aspect là. Ok, là, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. J'ai hâte de tester maintenant. Donc là, j'ai rajouté. J'ai changé de cri, j'ai pris la fureur éternelle, donc j'aurai une bien meilleure génération de rage. Qui dit plus de rage dit plus de déchirure. J'ai l'impression que ouais, ça monte beaucoup vite. Et si je fais beaucoup plus de déchirure, je fais beaucoup plus de DPS. Et ce qui est cool, c'est que je reste avec mon build par contre que je kiffe, vous voyez. Je reste avec les combattants, c'est quand même bien. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Lucien Langave. Là, ça va être pas mal, là, je pense, hein, le chat. Là, cher viewer, ça va être pas mal, je pense. Bon, j'ai hâte d'avoir un boss, par contre. Enfin, un truc qui reste un peu, là, que je peux éclater. Là. Tu vas être diablo dedans, hein. Avec Lou, pendant We Were Here, on est resté pendant, allez, une bonne heure avec tu as l'accent du sud. C'était terrible. C'était terrible. C'était horrible. Et donc là j'ai 15% de génération de rage en plus. C'est ça que je fais. Ah, c'est vrai. Vraiment, je me concentre sur... Ah non, et ça le crit, c'est vrai. Salut génie. Ah, attendez, je check un truc. Merci d'ailleurs pour les gifs subs. Merci à tous. Voilà. Je voulais relire ça. Donc, lorsque vous faites une cible, blablabla, vous avez... Allez, ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas vu, merde. Ok. Il faut que je joue de l'accablement, donc. Accabler une signe qui saigne, déclenche une explosion à 100%. Non, ça surtout pas. Ça surtout pas. Non. Je sais pas si je fais de l'accablement. L'accablement, c'est que certaines compétences, hein, c'est pas tout. Ça, ça accable pas, je rends que vulnérable, moi. Flûte. Est-ce que la rupture, elle accable? Est-ce qu'elle est accablante, la rupture? Elle est pas accablante. Je sais pas ce qui accable à part le... C'est ça, il y a le marteau des anciens. Ah non, après avoir accablé. Ah si, avec le marteau des anciens, c'est ça. Ah oui, non, l'accablement, c'est le cri de bleu. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est le cri de bleu. Il est là. Il a une chance d'arriver quoi qu'il arrive. Oui, mais toi, t'as les techniques en fait qui ont des chances supplémentaires en fait d'accabler. C'est ça que je voulais dire. C'était pas clair, excusez-moi. GG Pierre. Alors attends, c'est où le crit, putain? Je suis Google ou je suis Google? Ah là. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous voyez là par exemple, j'ai 9,6% de chance que donc mon saignement. Il fasse 96% de dégâts en plus. Donc faut que j'augmente moi mes chances de crit. Hein, pour ma spé actuelle. Et chances d'accabler fit en 3%. Là où je voulais en venir en fait, c'est qu'il me semblait qu'on pouvait les monter l'accablement. Ou peut-être pas. Après c'est un bonus que j'ai. Donc quand je fais un accablement, je fais une explosion, quoi qu'il arrive. Ok.
Unagi. Salut Eurythion. Et bonjour Arclay, bonjour. Allez. Tout le monde. Accablement fixe. Accablement fixe. L'accablement est fixe, c'est toujours 3%, d'accord. Mais alors, attends, ce que je trouve chelou dans ce cas-là, attends, c'est bon, je vais comprendre. Ah merde, je dois péter la porte, j'ai pas. C'est le Sky Shark. En fait, j'avais déjà eu cette conversation, je me rappelle, à la bêta. Ah oh, putain, mais niquez-vous les meubles là. Oh. Oh. Oh, peu cher. Est-ce que tu préfères l'accent parisien de Nat ou le sudiste du mien? L'accent sudiste. Alors, pas en termes de qualité, dans le sens lequel est moins insupportable. Ah. Ah, quand même, putain. T'as vu, Nat, t'es pas insupportable. Ouais. Ça, t'as les ressources. De l'humour. Ouais. Alors, donc, en gros, tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, parce que là, t'as l'accablement ici, Arclight. Donc, t'imagines si que, en gros, l'accablement, j'ai que 3% de chance. C'est avec le marteau des anciens, c'est nul en fait, donc, dans ce cas, ce truc-là. Ouais, mais ce qu'il me disait, c'est que l'accablement était fixe, on pouvait pas le monter. Et moi, ce que je suis pas d'accord avec ça, parce que doit y avoir un truc, au moins en tant que dans certaines classes. Parce que là, en gros, si dans ce talent de marteau des anciens, c'est après avoir accablé une cible avec marteau des anciens. Ça inflige des dégâts en plus, mais enfin, mes chances d'accabler avec une cible, un truc qui me consomme de la. La fureur, enfin c'est ridicule quoi. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Faut lire la dernière ligne des chances d'accablement. La dernière ligne des chances d'accablement. Alors. Putain, c'est un peu un indice. Alors. Ah oui, oh putain. Merci Soku. Alors. Lorsque j'ai une compétence, tous les dégâts qu'elle inflige ont une chance d'être accablants. L'accablement inflige des dégâts. Donc, ça, j'avais lu, ok. Les gars sur la durée ainsi que les compétences passives et canines peuvent accabler, chance d'accabler ne peuvent pas. D'accord, donc c'est ça, on est d'accord. Vos chances d'accabler, merci Socure, ne peuvent pas augmenter en tant que valeur de base, donc c'est 3% fixe, mais elles peuvent être garanties par les effets spécifiques. Donc, ça veut dire que le marteau, par exemple, là, des anciens. Après, c'est pas marqué en français qui va accabler quoi qu'il arrive. Dans marteau des anciens. Vous abattez votre marteau, blablabla. Ah non, je viens de voir. Ok, non, c'est la traduction. Chance d'obtenir un coup de chance. Le coup de chance, c'est l'accablement. 50%. Coup de chance, c'est l'accablement. Ouais, c'est le cri bleu. Pourquoi il y a deux noms? C'est bizarre. Pardon, bleu, c'est. Ah, bien. Pourquoi est-ce que ça s'appelle coup de chance si à côté ça. Je sais pas, coup de chance différent. Mais alors dans ce cas-là, en quoi ma compétence là, dans ce cas. Enfin, j'arrive pas à comprendre, tu vois, après avoir accablé. Bah, il faut que t'accables. Après, t'as peut-être des techniques qui te permettent d'accabler ou t'as peut-être des. Regarde dans tes légendaires si t'as pas des trucs qui te permettent de jouer sur la cabine. Ah, peut-être que dans les légendaires, il y a quelque chose qui fait en sorte que le marteau des anciens. Non, mais justement, faut que t'aies accablé avant le marteau des anciens. Non, c'est avec le marteau des anciens. Avec le marteau attends, des anciens. Tu me fous le doute. T'as peut-être raison, hein. Avec marteau des anciens. Ah oui, avec. Oui, donc t'as peut-être un. Parce que sinon, t'imagines la proba, c'est. Non, mais c'est pour ça que tu peux avoir. Ça, c'est possible, ouais. Attends, je regarde. Peut-être que t'as un lèche qui te permet de. Afficher ma classe cubain, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, donc bon, c'est dans l'attaque. Alors. Ok. Donc par contre, 50% de chance de coup de chance, c'est quand même cool. Et coup de chance, c'est plus puissant qu'un crit, on est d'accord. Est-ce que, oui, attends, est-ce que coup de chance, il est marqué derrière? Marrant, coup de chance, il est pas sous la technique là. C'est genre accablement là, à chaque fois t'as le truc, c'est cool. Mais c'est le 10. Pas un glossaire, Après, attends, t'as un truc. Si, en fait. Attends, toi, parce que la chance d'accabler, en fait, t'as tous les détails. Ouais, c'est un bordel, uncle. Alors, à mon avis, alors, soit ils ont mis deux. Ouais, mais ce que je. Ah, coup de chance, ça y est, je l'ai là. Vous avez 20% de chance de base de tuer instantanément les cibles qui ont moins de 35% de leur point de vie
lorsque l'infliger des dégâts. Cette probabilité se calcule en fonction de la compétence utilisée et de votre bonus aux chances d'obtenir un coup de chance. Ne s'active pas lorsque vous affrontez les champions. Oui, les... Donc ça n'a rien à voir avec les critiques et ce genre de trucs. Quoi. C'est pour one-shot un mob. En gros, donc bon marteau les anciens de base, il y a par contre sa récompense en chance de faire un exec, globalement. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est pas mal. En fait, le coup de chance, c'est une exec. De toute façon, il y a marqué exécution. Le coup de chance est tout en bas. Attends, comment ça, tout en bas? Attends, c'est un coup de chance d'exécution. Il y avait marqué entre parenthèses exécution. Ah putain, me dis pas qu'il y a des coups de chance aussi classiques. Des coups de chance d'autre chose. Bonus aux chances de... Oh mon dieu de merde. Parce que j'ai coup de chance, exécution aussi. Oui, parce que t'as un effet sur je sais, mais j'ai la tête comme ça, putain quoi. Donc les coups de chance augmentent les effets déclenchés, les effets de coup de chance lorsque vos compétences infligent les dégâts. La chance de base d'obtenir un coup de chance change en compétence. Si vous avez plusieurs effets de coup de chance, en probabilité, sont calculés indépendamment. Moi j'en ai zéro de toute façon, donc là... Du coup, les coups de chance, c'est que les trucs des compétences. C'est ça, il y a des compétences qui ont les coups de chance. Et, mais qu'est-ce que ça fait par contre? Ça ne dure pas ce que ça fait. Peut-être que ça fait rien, à part que là, t'as un coup de chance exécution, ça fait ce truc-là, t'as coup de chance... Attends, maintenant on me dit, regarde le passif. Tu sais, c'est un labien. Regarde le passif de la deuxième compétence de base. Alors, en partant de la gauche, je suppose, on est de gauche à droite. Le passif de la deuxième compétence... Alors, les compétences de base, c'est où? Le passif... Tu parles de quoi, là? Je suis perdu. Si, compétences de base, c'est ça. Hein. Bah oui, mais le passif, il parle de la deuxième... Tu dois parler d'un des deux trucs, ou d'un des trois trucs. Il y en a trois par compétence. C'est un peu plus précis que ça. Et un utilisateur anonyme offert 5 subs. Raclée martiale. Ah. Alors, lorsque vous réalisez 4 coups critiques avec raclée, en utilisant une arme à deux mains, votre prochaine compétence principale ou maîtrise accablerait les adversaires. D'accord, donc là, je peux moi garantir un accablement. Et donc... Oh. Moi, je veux dire, on est passif, hein. Moi, je sens que tu vas jouer sorcier. Et je vais leur indiquer leur race. Le sorcier, c'est le feu, ça brûle. Oui, c'est exactement ça. Et le feu, c'est bien. Et merci Jesse Jeff, coucou à toi.